vraiment de tout cœur pour tous ceux-là qui soutiennent l'association Joyce. Joyce Action, c'est une association à but non lucratif qui aide les orphelins du Cameroun, les réfugiés du Norso et les enfants en détresse. Donc, nous sommes aujourd'hui là pour pouvoir aider ces personnes-là, ces enfants qui n'ont plus de repères, ces enfants qui n'ont plus de père ni de mère. Ce sont ces enfants-là que nous nous sommes engagés de donner notre quote-part d'aide, puisqu'on dit toujours que le bien est bien. Voilà. Alors, Joyce Action, première édition, qu'est-ce qui est prévu pour la circonstance? Sinon, quels sont les highlights de cette soirée? Alors, Joyce Action, c'est une académie qui forme les jeunes, qui forme les enfants, qui forme la jeunesse. Donc, on a prévu beaucoup de surprises que vous allez voir tout à l'heure, faites par les enfants et par nos sponsors comme la marque La Puissance, comme beaucoup d'autres personnes qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Vraiment, un grand merci à vous. Je n'ai même pas de mots. Je suis tellement heureuse que vous soyez là ce soir et que vous puissiez participer à cet événement avec nous. Merci beaucoup. Alors, merci et beaucoup de succès. On espère vous revoir à la fin de cette soirée. Ah oui, avec plaisir. Hein. Et surtout, il y a beaucoup de surprises, comme je disais tantôt. Et on va vous conter l'histoire de Joyce, comment ça a commencé. Et on a Coco Argenté, la Go Galaxy qui sera là. On a René Benz, le prince de la salsa qui sera également là. Donc ça sera vraiment du waouh, la soirée sera géniale. Merci madame. Oui, les raisons pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est pour cette soirée et pour l'aide aux enfants démunis en Afrique. Et voilà, j'ai tenu vraiment le coup de venir soutenir l'équipe, de soutenir voilà, l'organisatrice Christelle Kwimi. Et je fais partie aussi de l'organisatrice. Et puis voilà, je donne beaucoup de courage. Et puis vraiment, pour une première édition, elle a osé. Et voilà, nous sommes là. Et puis la fête va bien se dérouler. Bonsoir déjà et à vous. La motivation de ma présence de ce soir, c'est d'apporter ma modeste participation et soutien aux enfants démunis en déplacement du Noso vers Bangoula Peto. Déjà, vu que moi-même, déjà, je suis un ressortissant de Bangoula, donc il a fallu que moi aussi, je vienne mettre ma part de main dans le gâteau, en fait, pour porter l'événement du bas vers le haut. Et déjà, vu que c'est un premier événement, ça nécessitait vraiment ma présence et tout. Vu que déjà, avant tout d'abord, c'est la famille. Donc, je suis heureux d'être là et tout. Et j'espère vraiment que tout puisse se passer bien dans les bonnes éducations. Yeah, my name is Mr. Mbaku. I live in Essenhene. This initiative is one of the best, one of the most important. As far as philanthropic or philanthropism is concerned, Joyce Action is there to support the needy, especially in Cameroon, focusing on the IDPs, running away from the war in southern Cameroon, and all dwelling in Douala or the west region of Cameroon, around the Bafoussam area. So we all are coming today to support this action, to have our voice heard, to have our concern on what is going back home in Cameroon. So we encourage everyone to play their own role to see that we support this action, which is very, very important to support those who are in need. Thank you very much. Ah oui, vous savez, comme Christelle et moi, nous sommes dans plusieurs associations. Je fais partie d'une association de chanter Soisy. Plus fort, je fais partie d'une association de chanter Soisy qui se situe à Paris. Et comme nos,
comme on est toujours dans le même sens de l'aide et de l'entraide en Afrique, alors j'ai décidé de représenter mon association et mon président Valérie Ndjok et Laurent Ateba dans l'association pour enfin donner notre soutien et apporter notre aide à la contribution de Christelle. Parce que ce qu'elle fait, c'est énorme. En Afrique comme ici, elle fait un travail énorme. Et on se demande comment faire. C'est pour ça que de Paris, il y a mes potes qui viennent de Luxembourg et d'autres qui viennent aussi d'Hongrie pour donner la puissance à Christelle. Parce que voilà, comme elle dit, c'est la puissance, elle a besoin de force parce qu'elle fait un travail énorme. Ok, thank you very much for giving me this opportunity. I came here today to support Joyce Action because it's very important. It's an organization that helps children, especially kids in the southwest and northwest regions that are undergoing a lot of difficulties at the moment in Cameroon. So we are here, I'm here today to support Joyce Action because I know the children need a lot of help, they need food, they need shelter, and we have to do everything in our power here in the diaspora to support the kids back home. So that's why I'm here today. Thank you very much. Déjà bonsoir monsieur et merci de me passer la parole. Mes motivations sont simples. Déjà je suis la maman de la petite Joyce. Joyce, c'est elle qui nous a inspirés à créer cette association. Pourquoi déjà? Parce que depuis qu'elle a eu 5 ans, elle est allée au Cameroun. Elle a décidé de venir en aide aux enfants qui n'avaient pas de quoi manger. Elle leur a apporté des bonbons et tout. Et quand elle est revenue ici, elle a demandé à ce que nous puissions la soutenir. Sa tante surtout, sa tante Christelle Wanji, elle lui a demandé de la soutenir pour qu'elle puisse continuer à aider les enfants. C'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir. Je suis ici ce soir pour booster son humanisme. Parce que déjà, si un enfant de 5 ans a cette valeur de donner, de partager, pourquoi ne pas l'accompagner? Je suis ici ce soir pour accompagner Joyce. Alors merci et beaucoup de plaisir. Ouais, de plaisir.
Oh,
Alors, c'est quand tu veux, tu me donnes tout ce qu'on doit faire et je te soutiendrai. Sans souci. Merci.
C'est Marlise, la marraine de cette cérémonie, de cette soirée dédiée aux enfants défavorisés au Cameroun. Je ne pouvais être que touchée par cette initiative de Joyce Action que j'encourage avec force et conviction, étant moi-même très imprégnée dans la cause pour les défavorisés, les sans-voix, ceux qu'on a toujours refusé de regarder. Alors, je ne pouvais que faire le déplacement. Et j'encourage nos frères et sœurs de toujours soutenir les causes perdues parce que ça bascule très rapidement. On peut être de l'autre côté et du jour au lendemain du côté opposé. Et je remercie tous ceux qui se sont déplacés pour être là ce soir. C'est important pour l'initiatrice Christelle. C'est la première édition. Qui pense que je pense à se répéter avec succès d'ailleurs. Cette soirée était magnifique. Nous avons vu la qualité des invités et plus que la quantité. Voilà, j'encourage tous ceux qui ont une tendresse pour les enfants en mal d'affection ou en grande précarité. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci, Gens. Bienvenue en Allemagne et plus particulièrement à Essen. Bonjour, je suis ravi. Je suis vraiment ravi d'être en Allemagne pour la première fois et puis dans la ville de Essen. C'est vrai que je suis descendu à Dortmund, mais c'est la ville de Essen qui m'accueille pour la production et je suis content d'être là. Alors, Papa René Benz, pour la première fois en Allemagne, comme je l'ai... En effet, j'ai été contacté par Josh de lui apporter mon soutien, n'est-ce pas, dans ses ambitions, qui sont celles de construire un orphelinat à Bangoula, où je suis même d'ailleurs petit-fils. J'ai accepté gracieusement d'apporter mon soutien dans le domaine qui est le mien, et voilà pourquoi je suis là. Et voilà, malheureusement pour moi, je vais vous le dire, sans risque de m'emballer, sans langue de bois, moi je croyais que quand il s'agit des œuvres charismatiques, je verrais les œuvres de charité, pardon, je verrais une salle comble parce que la plupart de nous sommes des orphelins. Aussi, nous ne le sommes pas aujourd'hui, nous le serons demain. Et nous laisserons aussi des orphelins. Je me suis dit que le mot orphelin devait interpeller la conscience de beaucoup de personnes afin qu'elles se manifestent à cette soirée. Bon, peut-être c'est comme ça que vous faites en Allemagne. On comprend qu'ici, c'est maison, travail, travail, maison. Divertissement, on n'est pas à Paris, parce que là, à Paris où je suis, alors là, ça bouge quand même, ça bouge. Alors, papa, qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que
pour les personnes qui étaient présentes ce soir, malgré ces années, malgré ces générations que vous avez eu à transporter durant toute votre carrière, de savoir que ce public a communié avec vous, que ce public était présent, que ce public a écouté et adoré votre musique. Et sinon, continue à écouter et adorer votre musique. En effet, j'ai constaté que le public était admirateur. Le public n'était pas surpris de ma présence, mais le public était plutôt admirateur des œuvres, parce que j'ai chanté certaines chansons qu'on a écoutées il y a très longtemps. Et le public était... Dans un premier temps, on ne savait même pas que réellement c'est moi, parce que j'ai pris de l'âge, je ne suis plus l'enfant qui était hier. Et le public qui est là, je suis content de lui parce qu'il a répondu présent et a manifesté sa joie d'être là et continue à manifester sa joie jusqu'à présent. J'en suis vraiment conscient et content pour tout cela. Alors, un mot avant de clôturer, ils sont nombreux comme ça à ne pas avoir effectué le déplacement pour des raisons diverses. Est-ce que vous avez un mot en l'endroit de ces gens-là qui vous aiment, qui vous soutiennent, vos fans de l'Allemagne? Je sais que dans toutes les villes allemandes, j'ai des fans, mais malheureusement, pour des raisons professionnelles, il faut également noter que nous sommes encore dans la période d'école, nous ne sommes pas en été, où on va parler des vacances. Ça aurait été pendant les vacances qu'on ferait le plein de la salle, le plein d'œuvres de la salle. Malheureusement, ça se passe avant l'été. Je les encourage et j'encourage la promotrice Christelle pour d'autres éditions et les autres à aller de l'avant, qu'elles ne se découragent pas, parce que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Elle s'est engagée dans les œuvres de charité. Le Seigneur va l'accompagner. Le Seigneur va lui donner de la ressource énergétique, la ressource financière pour pouvoir atteindre son objectif. Vraiment, mes encouragements, Christelle, que Dieu t'accompagne. Merci. C'est moi qui remercie, c'est Billy TV, Billy Télévision, qui fait beaucoup pour... tous ceux qui sont passés comme moi ici en Allemagne, qui fait beaucoup dans les fêtes, non seulement de la communauté camerounaise, mais dans toutes les communautés. Je souhaite longue vie à votre télévision et qu'elle devienne vraiment une structure assez expansive pour mieux encadrer les artistes, pour mieux encadrer tous ceux qui ont des projets porteurs pour l'Afrique, pour le Cameroun et pour les orphelins. Merci Billy Production. Merci à toi d'être là ce soir, de soutenir aussi la bonne cause. Je suis satisfaite. Alors, j'ai eu des gens qui m'aiment, j'ai eu des gens qui me considèrent, j'ai eu des gens qui considèrent la bonne cause, la cause de Joyce Action. J'ai eu simplement des personnes merveilleuses ce soir et je suis satisfaite pour ce côté-là. Donc, je remercie Dieu pour tout ce qui s'est passé ce soir et le meilleur reste à venir. Il y a encore beaucoup de surprises, alors restons positives et faisons du bien, car le bien est bien, disait mon papa Zouandi. Alors, à la sortie de cette soirée, on sait bien qu'ils sont nombreux à ne pas avoir effectué de déplacement pour des raisons diverses. Est-ce que tu as un mot à l'endroit de ces personnes-là qui t'aiment, qui te soutiennent à distance, mais malheureusement qui n'ont pas pu effectuer le déplacement? Ah oui, je vous dis tous merci. Ceux qui me soutiennent, ils ont prié pour moi, ils ont envoyé des ondes positives, je les ai reçues et... je suis tellement heureuse. Je vous dis merci, mille fois merci. Les mots me manquent. Je n'aime même pas de mots. S'il y avait un mot plus que merci, vous deviez le mériter. Quand vous le méritez, le merci que vous m'avez, la bénédiction que vous m'avez donnée, c'est énorme. Je vous dis encore mille fois merci et que Dieu vous bénisse encore. Si Tony, Captezino, Mfa, Fitabin, Fa, Yorma, Mabit, Bigan, Grabin, Jilala,
faites toujours comme ça là. Le bien est bien. Merci encore. La soirée, elle était géniale.